je viens de faire un peu de vaisselle. J'ai juste mis ce plat à tremper parce que ça avait légèrement accroché dans le fond, puisque ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai fait du riz pour Nico, pour le boulot, pour midi, pour son repas de midi. Donc j'avais fait du riz avec des poivrons, avec des oignons et avec une omelette. Donc ça, je le nettoierai tout à l'heure. Aujourd'hui, il fait pas beau. Alors je crois que normalement, ils ont peut-être prévu de la pluie, mais c'est pas sûr, hein, forcément. Il me semble que ça peut pleuvoir dans l'après-midi. Je pense qu'il a plu d'ailleurs ce matin parce que c'est quand même trempé. Ce matin ou plutôt enfin dans la nuit. Il y a ma toutoune là, mon bébé. Qui est là, ma toutounette? Tu boudes? Tu boudes? Oh, mon petit chien joli. Il est trop chaud. Mais bon, la pluie ça a fait du bien parce que ça a bien arrosé. D'autant plus que moi hier j'ai pas pu arroser non plus. Donc ça c'est cool. Je vous montre un peu. Là j'ai le basilic de chez ma mère qui pousse. Et vous voyez, bon, ça n'a pas beaucoup plu non plus, hein, parce que là, vous voyez, c'est déjà tout sec. Donc voilà, je suis contente. Sinon, j'ai mes lauriers roses qui sont en train de fleurir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et il y a pas mal de fleurs dans le jardin, ça c'est trop bien. Et là, bon, même s'il a plu un petit peu, ça sent très très fort le jasmin. Ça sent super bon. Là, il est 7h52, je vais aller me préparer, parce que je ne me suis pas douchée, je ne me suis pas lavée encore. Je vais me laver les cheveux d'ailleurs aussi. Et tout à l'heure, je pense que je vais aller faire quelques courses. Mais comme il y a 2 semaines, en fait, finalement, hein, lorsque je vous avais filmé pour ma vidéo d'il y a 2 semaines, là, j'ai plus grand-chose. Donc, je vais aller faire quelques courses. Alors, soit chez Lidl ou soit chez Carrefour, je ne sais pas encore. Et puis, après, bah, je me mettrai un peu tranquillement à faire le ménage, la petite routine de la journée. Et je vous montrerai tout ça. Je viens de prendre un distributeur de boissons de 4 litres, complètement influencé par la vidéo d'Isadora sur le kombucha, que je compte bien réaliser un de ces 4. C'est pas mal. Oh, je suis contente d'avoir trouvé ça, tiens. Bonjour. Vite fait ce que j'ai pris. Je viens juste de rentrer, de faire mes courses chez Carrefour. J'ai pris pour mettre au frais, enfin au congélateur, des steaks hachés pur bœuf. Il y avait une petite promo sur la mozzarella di bufala et vraiment c'est celle que je préfère. Moi j'aime pas spécialement la mozzarella normale parce que je la trouve un peu fade en fait. Par contre celle-ci, elle a vraiment un super bon goût. Fait vraiment, elle est trop trop bonne. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, elle était moins chère au kilo cette fois-ci. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2 paquets. Enfin, elle était moins chère au kilo bien sûr si on en prenait 2 paquets. Hein. Donc voilà, j'en ai pris 2. D'autant plus qu'elle se garde quand même pas mal de temps. Ensuite, j'ai pris du bleu, j'ai pris du coulommier, j'ai pris aussi du Saint-Félicien. Et j'ai pris 2 paquets d'emmental. De 500 grammes d'emmental, donc là j'en ai pour un petit moment, ça aussi ça se garde vraiment très très bien. Et j'ai pris pour finir du jambon sans nitrite. On va passer à la suite, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris quelques légumes, des courgettes, j'en ai pris 4, j'ai pris 2 oignons rouges, 3 tomates, un chou rouge, ça fait très longtemps, très 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 longtemps vraiment que j'en ai pas fait. Moi je le mange uniquement en salade. Et quand j'étais petite, pour la petite histoire, c'était vraiment le seul légume que j'aimais vraiment à la folie. Je l'adorais. Ma mère elle m'en faisait tout le temps. Juste en salade comme ça, avec de l'huile d'olive et du vinaigre et un petit peu de fleur de sel. Ensuite j'ai pris des bananes, j'ai pris des œufs, j'ai pris de la farine bio de seigle T80 semi-complète donc. Et vraiment ça coûte un bras franchement. Ça fait 4 euros le kilo. Je trouve qu'elle coûte vraiment super cher, mais j'avais envie de changer et je ferai sûrement un pain d'ailleurs cet après-midi. Alors je ne ferai pas du pain au levain, mais je ferai, je pense, un pain cocotte et je ferai moitié farine, des farines complètes, moitié farine T80 de seigle, de blé, enfin voilà, histoire de changer un petit peu. Et ici, j'ai pris aussi de la farine de blé type 65, mais évidemment, comme je suis très douée, je l'ai cassé pile de ce côté-là.
J'appuie ici et ça l'a cassé. J'ai repris 2 paquets de pain de mie. J'en avais plus du tout. Mais les enfants, ils en mangent vraiment souvent. Après, ça m'embête un petit peu parce que c'est quand même un produit transformé qui est sucré. Même si au niveau des ingrédients, il n'y a rien de spécial. Franchement, c'est vraiment très bien au niveau des ingrédients. Enfin, celui-ci en tout cas. Mais c'est quand même un produit sucré. Donc, d'autant plus que le pain de mie, en général, quand ils le prennent, il rajoute en plus par-dessus un petit peu de chocolat, donc encore du sucre. Donc c'est vrai que ça m'embête un petit peu, mais bon. Après, bon, ils sont en pleine croissance, ils aiment bien, donc j'en prends. Moi, quand j'ai pas le temps d'en faire, comme ça, j'en ai aussi. J'ai pris de la limonade artisanale. Alors là, j'ai pris en fait la bouteille vraiment pour garder cette bouteille-là, en fait. Cette bouteille pour faire plus tard du kombucha. Totalement influencé, comme je vous l'ai dit, je vous avais dû voir, je pense que je les intégrerai dans la vidéo, des petits clips de quand j'étais à Carrefour tout à l'heure. Donc j'ai pris cette bouteille de limonade pour garder la bouteille en fait, à ouverture mécanique ici. Et bon, Cléophée, elle va être ravie parce que vraiment elle adore la limonade, elle en prend, enfin j'en prends jamais, hein, vraiment des sodas, j'en prends vraiment strictement jamais. C'est très très rare que j'en achète, c'est plutôt quand on est invité ou voilà ce genre de choses. Mais donc du coup là elle va être trop contente parce que la limonade, elle adore ça. Ensuite j'ai pris 2 bouteilles de vinaigre blanc, donc c'est pas du vinaigre blanc qui est, là c'est juste à 8%, hein, il est pas très très... très très fort, mais moi c'est pour faire le ménage, je le mets directement dans ma bouteille ou alors je le verse comme ça directement pour nettoyer, pour j'allais dire désinfecter, mais non, ça désinfecte pas, mais ça nettoie très très bien, ça enlève le calcaire, c'est franchement un bon produit de nettoyage, moi je m'en sers uniquement comme ça. Ensuite j'ai pris, donc là il y a 2 paquets de chocolat noir et je vais changer ma casserole qui est complètement cassée, enfin cassée. Pas cassé, mais vous savez, c'était une tefal avec le fond voilà, qui commence à s'enlever là, comme toutes les ce genre de casserole. Cette fois-ci, j'en ai pris une en inox. Alors, il y a marqué fond épais, corps en inox 18-10 pour une meilleure répartition de la chaleur. Donc, on verra bien. Il y a marqué compatible aussi avec les poignées tefal. Donc, c'est parfait. D'ailleurs, je pense que ça doit être sûrement tefal qui doit les fabriquer. Même si là, c'est la marque de Carrefour. Ça va évidemment sur tous les feux, dont l'induction. J'ai pris également un shampoing, parce que j'en ai plus du tout. Et j'ai acheté donc le distributeur de boissons que vous avez dû voir dans les petits clips là que je vous ai filmé pour fabriquer mon futur kombucha. Bon ben là je pense que j'ai quasiment tout pour faire mon kombucha. Il me manque juste le scoby, enfin la mère de kombucha à avoir. Bon ça va arriver aussi. Donc pas de soucis et j'ai vraiment très très hâte de tester. J'avais testé du kombucha du commerce. Je viens d'aller vous chercher la bouteille d'ailleurs parce que ma bouteille elle est vide. Et c'est super bon, même si bon, bah, ça coûte quand même assez cher. Hein, parce que là, il n'y en a pas du tout 1 litre, hein, il y en a juste 50 centilitres. Donc c'était sur... on était sur les 3,50€, je crois, quelque chose comme ça. Pour... voilà, donc pour 500 millilitres. Mais délicieux, pêche sur eau. Je me suis régalée, c'était trop trop bon. Donc j'ai hâte de tester, de le faire maison. Donc du coup, je suis très contente d'avoir trouvé cette... ce distributeur de boissons. Et voilà pour les courses. Donc ben maintenant je vais ranger tout ça et je vais commencer à préparer mon repas de midi. Ça y est, je viens de nettoyer mon plat. C'est mon plat que je mets dans la Oya de Secotec. C'est mon autocuiseur. Je vais faire cuire des lentilles. Il m'en restait très peu si j'avais su. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il m'en restait vraiment si peu. Si j'avais su, j'en aurais repris tout à l'heure chez Carrefour. Mais donc ça, je vais le garder. Hop, je vais les mettre. C'est vraiment vite cuit. On n'a pas besoin de les faire tremper. Il m'en reste très peu, mais bon, ça ira. Je pense que je vais en manger juste pour moi à midi, de toute façon. Puisque je suis toute seule à la maison. Donc, on va faire cuire ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais
on va mettre donc de l'eau froide et ensuite je vais le faire directement chauffer dans mon autocuiseur. Donc il faut mettre 4 fois le volume d'eau froide, c'est marqué dans le mode d'emploi. Moi je vais faire un peu au pif, de toute façon si j'en ai trop après je vais goûter et puis voilà. Et ensuite donc il ne faut pas le faire cuire trop longtemps. En autocuiseur il y a marqué 7 à 10 minutes. Donc moi je vais mettre 10 minutes parce que vraiment j'aime bien quand même quand c'est cuit. Voilà, j'ai mis l'eau à l'intérieur. Et je vais programmer turbo cuisine à pression. Et on va mettre on va mettre 10 minutes. Voilà. La cuisson commence. Et moi pendant ce temps, je voulais nettoyer les feuilles de blettes ici. Mais je calcule que j'aurai pas trop le temps. Je pense que je vais plutôt me concentrer sur mon repas de midi. Donc je vais nettoyer le chou rouge, le passer sous l'eau et le préparer pour midi. Je vais me faire en fait une grosse salade avec des lentilles, des tomates, des oignons et du chou rouge également. Et ensuite je pense que je vais prendre peut-être une petite boîte de sardines. J'hésitais avec le maquereau mais... finalement, je pense que je vais prendre une petite boîte de sardines parce qu'elles sont vraiment trop délicieuses. Et ça me donne bien envie, voilà. Et j'ai pas de pain pour midi, donc j'ai juste du pain de mie, mais je vais pas en prendre. Et cet après-midi, par contre, donc d'abord, il faut que j'aille chercher Cléo à l'école. Mais après, je pense que je ferai du pain, ou alors peut-être que je le commencerai un peu avant d'aller la chercher, comme ça, il aura le temps de lever. La pâte aura le temps de lever. Et puis voilà, bon, mais c'est parti, moi je m'y mets. Je viens de sortir du frigo une mini boule de pâte sablée qu'il me reste en fait parce que j'avais fait une tarte aux fraises pour l'anniversaire de Cléophée last week-end et donc il me reste cette petite boule et je pense que je vais juste l'étaler et en faire des mini sablés pour comme ça il y aura quelques petits sablés pour le goûter des enfants. J'ai terminé, il y en a vraiment pas beaucoup hein, vous avez vu, il y en a vraiment très peu et celui-ci qui ressemble à rien vraiment mais c'était le dernier bien sûr. Donc voilà, maintenant je vais enfourner et puis bah ça fera toujours des petits sablés en plus pour le goûter. Est prêt pour midi. Bon, peut-être que ça vous fait pas trop rêver. Moi, franchement, j'en ai l'eau à la bouche. C'est vraiment trop... Enfin, ça a l'air trop bon. Alors, déjà, j'ai pris des sardines à l'huile d'olive. Là, je vais en manger deux parce que c'est vraiment beaucoup trop pour moi. Et je vais en garder une, en fait, pour Rune parce que elle aime bien de temps en temps. Je lui donne et c'est vrai que c'est bon aussi pour sa santé à elle d'avoir un peu d'oméga 3 comme ça avec les sardines et l'huile des sardines. Donc je mélangerai avec ses croquettes et elle sera hyper contente. Et ici donc j'ai une salade de choux rouges qui est vraiment très simple. J'ai même pas mis de graines par dessus, j'aurais pu, mais bon, je trouve que j'ai assez d'huile comme ça avec voilà, c'est déjà, mon plat est déjà assez gras, j'ai pas besoin de rajouter des graines par dessus même si ça aurait été délicieux, c'est vrai. Je vais pas manger de pain parce que déjà parce que j'en ai pas et ensuite parce que j'ai des lentilles et que les lentilles ça cale énormément. Et donc là j'ai pris mes lentilles avec des oignons qu'il me restait d'hier soir. Et donc voilà, sinon c'est vrai que j'aurais pu mettre des oignons rouges aussi, ça aurait été vraiment délicieux, un petit côté un petit peu plus sucré. Mais comme je vous disais, ça c'est des restes d'oignons d'hier soir, donc j'ai pris ce que j'avais déjà et qui était déjà coupé en plus, donc c'était bien pratique. Et ensuite j'ai rajouté une tomate et le combo lentilles, tomates et oignons, c'est super bon. Et voilà, ben voilà, ça fera mon petit repas de midi, donc ça fait quand même un bon repas, hein. J'ai vraiment beaucoup de crudités. J'ai quand même les lentilles qui sont cuites et le poisson ici. Et ben moi je vais me régaler. Je suis en train d'enlever les protections, les cartons, tout ça de la casserole que j'ai acheté tout à l'heure. Je la trouve vraiment très jolie, franchement. 18,39€ exactement, je viens de regarder.
Et j'étais en train de regarder aussi le mode d'emploi. Nettoyez d'abord votre nouvel ustensile de cuisson avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle normal, puis faites-le bouillir. Alors là, je ne savais pas qu'il fallait que je fasse bouillir ma casserole. Le produit n'est pas adapté à la friture. Veillez à ce que l'ustensile de cuisson ne soit jamais surchauffé lorsqu'il est vide. Allez, n'est pas adapté à la friture. Donc on ne peut pas faire, si on veut faire un petit peu de friture à l'intérieur, bah, il ne recommande pas finalement. Je ne savais pas spécialement, mais bon, voilà quoi, c'est bon à savoir. Voilà, donc ensuite c'est pas très intéressant, il n'y a rien de spécial. Et à l'intérieur, on a même une graduation ici. Ça va jusqu'à 2,5 litres. Et donc c'est cette poêle dont je vais me débarrasser, parce que je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment le fond qui s'est complètement arraché. Et voilà, j'ai pas envie de manger des particules de casserole. Je viens de refaire un gâteau à la banane et aux pépites de chocolat. Je voulais pas filmer parce que je vous ai déjà donné la recette lors d'une précédente vidéo, donc je la mettrai en barre d'infos de toute façon. En fait, j'ai refait cette recette parce que Cléophée me l'a demandé et vraiment elle l'adore. Donc en ce moment, c'est vrai que je la fais tout le temps. En général, dès que le gâteau est terminé, elle m'en réclame un autre. Donc voilà, je lui fais plaisir. Et puis c'est vraiment un gâteau qui est délicieux. C'est vraiment délicieux. Voilà, donc là je finis de le mettre à l'intérieur et puis je vais enfourner. J'ai mis 320 g d'eau et 7 g de levure. Donc moi c'est de la levure SAF. Et je vais attendre une dizaine de minutes. Donc c'est de l'eau qui est plutôt chaude. Hein. Et je vais attendre une dizaine de minutes que la levure s'active avant de la mettre dans mon bol du KitchenAid avec le reste des ingrédients pour faire mon pain. Donc là, je vais faire un pain copote. Ça y est, le temps est écoulé. Maintenant, je vais mettre tout ça à l'intérieur. J'ai sorti aussi la farine que j'ai achetée ce matin, la farine de seigle. Et ça, c'est la farine T65. Je vous avais dit que je l'avais trouée sans faire exprès. Donc du coup, je la mets là-dedans. Ensuite, je vais rajouter de la farine T65 et de la farine T80. Donc là, vu que j'ai mis 320 g d'eau à peu près, j'en ai mis 355 g. Et ensuite, je vais compléter avec la farine de seigle jusqu'à arriver à 500 g du coup. Et je vais mettre une cuillère à café et demi de sel. Je vais récupérer ma salière qui se trouve juste sous mon appareil photo. Voilà, je viens de rajouter mon sel. Maintenant, on va faire tourner tout ça pendant 5-6 minutes. 5-6 minutes et ensuite, je ferai lever pendant au moins une heure. Et pendant ce temps, j'irai chercher Cléophée à l'école. Voilà, vu que mon four est trop chaud, je ne vais pas laisser lever dans le four. Là, je vais juste mettre maintenant. Donc ça fait, je l'ai laissé à peu près 6 minutes tourner. Et la pâte elle est très belle, je vais recouvrir d'un torchon, je vais chercher Cléophée et d'ici une heure je ferai la suite. Ça fait pas du tout une heure. J'ai été obligée d'allumer la lumière parce qu'on n'y voit plus rien. C'est un truc de fou. Il fait que pleuvoir depuis tout à l'heure. Bon, ben là, ça a tellement gonflé que je vais faire maintenant. Ça fait... ça fait pas tout à fait une heure. Je pensais que j'allais laisser une heure et quart, mais bon, non. Là, ça fait 55 minutes exactement. Alors maintenant, je vais le mettre en forme. Et je vais commencer d'ailleurs à faire chauffer ma cocotte dans le four. Parce qu'il faut un petit temps quand même. Vu que le pain augmente vite, vu qu'il gonfle vite, je crois que je vais le faire maintenant. Comme ça, le temps que la cocotte soit opérationnelle, le pain il aura regonflé encore un tout petit peu. Voilà, j'ai fait une boule.
je vais la mettre sur ma feuille de cuisson. Hop. Et je vais remettre ça par-dessus. En attendant, ça a déjà beaucoup beaucoup gonflé, donc je vais faire la suite, d'autant plus que ma cocotte, enfin mon four vient de sonner, ma cocotte est prête. Je vais faire juste comme je fais d'habitude. Voilà, je viens de le sortir du four. C'est vrai que la farine de seigle, je la prends jamais. Et au moins, ça changera un peu. J'ai l'habitude de faire plusieurs farines différentes avec des types différents en fait, ou de l'épeautre et du blé par exemple. Mais c'est vrai que le seigle, j'y pense pas forcément. Et là, c'est cool. Bon, ben là, je vais le sortir, je vais le mettre sur une grille. Et voilà, je vais le laisser tranquillement comme ça, ici, pour qu'il refroidisse. Ce soir donc, je vais faire des pâtes et je vais faire une sauce tomate avec des boulettes de viande à l'intérieur. La sauce tomate, en fait, là il me reste un fond de sauce. J'en ai vraiment pas beaucoup, mais je vais l'utiliser. C'est de la sauce au basilic de Corot. Donc il me reste un tout petit fond, je vais utiliser ça. Je vais utiliser une boîte de concassé de tomates. Des gousses d'ail, alors là j'ai sorti pas mal de gousses d'ail ici. Ensuite j'ai pris 3 oignons, alors j'en ai 2 gros, et enfin 2 gros, 2 oignons on va dire, et un tout petit. Et j'ai pris un peu de concentré de tomate, bien sûr je prends du sel et du poivre. Et je rajouterai, je pense, un peu de basilic aussi. J'ai sorti 4 steaks hachés, ça c'est pour faire les boulettes de viande tout à l'heure, que je vais mélanger avec des oignons, enfin avec des ingrédients, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais déjà commencer par, ici, éplucher mes légumes, l'ail, l'oignon, les mettre directement dans le thermomix, les hacher un petit peu avec un peu d'huile d'olive, les faire revenir et faire la sauce. Moi je la fais directement dans mon bol du thermomix, après bien sûr on peut les faire à la casserole hein. Mais j'ai pas envie de me casser la tête en fait, et comme ça le thermomix va travailler pour moi, ça va être très très bien. Donc là ce que je vais faire, éplucher tout ça, le mettre à l'intérieur du thermomix et puis faire revenir à peu près à feu doux, je pense, pendant une quinzaine de minutes à feu doux. Voilà, histoire que ce soit un peu confit, et ensuite je rajouterai le reste. Ça y est, je viens de mettre, enfin de mixer un peu les oignons, juste les oignons, j'ai pas fait l'ail encore, avec de l'huile d'olive. On va faire ça. Allez, on va mettre 20 minutes. 95. Et je viens d'éplucher l'ail, j'en ai juste enlevé 2 gousses. Là j'ai sorti un oignon pour tout à l'heure pour faire les boulettes. Là je vais rajouter l'ail avec les oignons dans le thermomix. Là j'ai pris mon deuxième bol juste pour hacher les oignons pour commencer à préparer les boulettes. Je vais les mettre dans mon saladier. Thank you.
je viens de terminer de faire mes petites boulettes ici, donc j'ai une assiette là et une assiette ici. Là je suis en train de faire chauffer un petit peu d'huile dedans, quand même, il faut en mettre un peu quand même. Et ma sauce tomate, elle est en train de cuire, donc il me reste à peu près 4 minutes, je sais pas si on voit bien là. Et d'ailleurs ça me fait penser que je vais faire chauffer mon eau aussi pour les pâtes. I'm trying to let go of this heartache. It's been following me around. It wakes me up, it shoots me down. At this point I would rather be numb. I'm sick and tired of emotions. They've never done me any good, just tore me up into bits. I wish I knew how to call it quits. I should know by now how to live without her.